la Targa occupe une place un peu particulière au sein de la gamme 911. Son arceau fixe fut une contrainte imposée par la réglementation américaine, mais surtout elle rend hommage à la course de légende Targa Florio. 11 victoires au total, un record, à bord entre autres de 718, 908 et bien entendu de 911. Depuis cet accomplissement, 6 générations de Targa se sont succédées, avec ce qui fut vécu comme un sacrilège par les puristes à partir des types 993. En effet, afin de limiter les coûts de développement, Porsche avait sacrifié l'arceau pour se limiter à un toit panoramique. La 911, type 991, marque pour cette 7e génération de Targa un retour aux sources avec cette arche tellement identitaire, modernisée pour l'occasion, puisque motorisée. Le large arceau et la lunette arrière plus large et enveloppante ont conduit les designers à privilégier en série le châssis à transmission intégrale pour des raisons de proportion esthétique. Les ailes arrière étant élargies de 44 mm dans cette déclinaison. Une fois installé à bord, on retrouve très vite ses repères, comme toujours avec les habitacles tous très similaires de la gamme Porsche. On remarque ainsi rapidement les deux boutons de commande du toit qui nécessitent 20 grosses secondes pour s'ouvrir ou se fermer, le tout à l'arrêt obligatoirement. Ainsi configurée, la 911 Targa laisse entrer bien plus de lumière qu'à l'accoutumée sur la 911 et offre un espace supplémentaire exploitable sous la bulle. Il s'ajoute aux 125 litres de la profonde baignoire sous le capot avant, confirmant ainsi les prédispositions de la Targa à partir à l'aventure. Les choix techniques de la Targa se concentrent sur la sécurité, tandis qu'elle bénéficie déjà d'une rigidité légèrement accrue face aux cabriolets conventionnels. La transmission intégrale est associée au PTM, se chargeant de répartir le couple intelligemment. Le système électrique du haillon et la transmission intégrale font toutefois de la Targa la 911 la plus lourde de la génération 991, avec 1555 kg sur la balance. Une masse qui reste une soixantaine de kilos inférieure à la Jaguar F-Type V6S. Si le budget le permet, privilégiez tout de même la Targa 4S, dont le Flat 6 3,8 litres bénéficie de 50 chevaux et 50 Nm de couple supplémentaires face au 3,4 litres de 350 chevaux. Le choix de la boîte est propre à chacun. Sur les routes de montagne de notre parcours, le premier apport était souvent sollicité. La PDK gère cette situation avec plus de douceur que la boîte mécanique à 7 rapports, même si cette dernière, avec son talon-pointe automatique, est plus cohérente avec l'esprit de la Targa. La nouvelle Porsche Targa propose bien sûr tous les équipements techniques qui rendent la 911 toujours plus polyvalente, à l'image du PASM en série sur la 4S. Cette suspension intelligente pilotée selon deux modes de conduite, normal et sport, qui là aussi s'accordent parfaitement avec la Targa. L'échappement sport est aussi à envisager, histoire d'en rajouter une couche en longeant le bord de mer. Au final, la Targa représente une approche différente du concept 911. Alors que nombre de GT ne font éloge que de leur capacité à repousser les lois de la physique en matière de comportement, la Targa calme le jeu en nous incitant à prendre le temps de savourer son plaisir au volant d'un modèle à la touche et d'une polyvalence à toute épreuve, grâce à la transmission intégrale. Face à la Jaguar F-Type V6S Roadster et son caractère affirmé, le choix est difficile, si ce n'est que la Targa est bien plus logeable et ses vocalises moins fatigantes sur les longues distances.